Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop excitée parce que je vais essayer une nouvelle marque. Et puis, franchement, là je suis trop excitée. Pour mettre en action ce make-up, je vais utiliser la Péloïse. Enfin, je l'ai acheté. Franchement, les filles, voilà, je suis à mouton comme toutes les make-up addicts. Donc, franchement, j'en ai entendu tellement, mais tellement parler que voilà quoi. Et j'ai vu des revues, il n'y en a pas une revue où c'est négatif quoi. Et j'ai vu comment ça ressort les fards, un truc de malade. Du coup, voilà, je l'ai acheté. Mais j'ai galéré pour l'avoir parce que moi, je voulais absolument la teinte 3. Et elle était en rupture de stock avec encore une ou deux couleurs qui sont toujours en rupture de stock. Donc j'ai guetté, je surveillais tout le temps sur le site de Péloïse. Ouh là là, j'ai tombé le miroir. Et du coup, le jour, ils ont mis juste... Il y avait les deux autres, ils étaient encore en rupture de stock. Et la 3, elle était restockée. J'ai sauté dessus et je vous avoue que j'ai utilisé le code de réduction, donc le code promo de Marion Caméléon qui m'a fait gagner 1 € et cacahuètes. Mais bon, c'est mieux que rien. Merci Marion Caméléon si tu passes par là. Et j'ai hâte, mais hâte de la tester avec vous parce que franchement, voilà quoi, j'ai entendu que des bonnes choses. Aujourd'hui, alors, on va faire un make-up. Donc là, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et tout et tout. Et on va tester aujourd'hui la marque Focalure. Yes! Alors, je vous explique l'histoire. Cette palette, donc la Endless Possibility palette de la marque Focalure, j'allais l'acheter. Oui, j'allais l'acheter donc de mes propres sous parce que je la voyais dans certaines vidéos et elle m'a donné trop envie. Et elle s'appelle Endless Possibility, vous allez voir pourquoi, c'est-à-dire multiples possibilités. Donc on peut faire beaucoup de make-up avec. J'ai le mise dans le panier dans le site de, sur le site de Focalure. Et quand j'allais l'acheter, j'ai reçu un mail de la marque Focalure. Donc j'étais trop contente et ils m'ont demandé de choisir donc une palette et deux rouges à lèvres pour tester la marque et je suis ravie. Et donc heureusement que je ne l'ai pas acheté, mais bon, voilà. Ouais, j'arrête pas d'acheter et je peux vous dire que fin mars et début avril, c'était le craquage total. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'avais la fièvre acheteuse. Franchement, j'ai craqué sur plein de choses, vous allez voir et pff, voilà, c'est pas bien mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai eu cette palette. Donc j'ai choisi cette palette que je voulais absolument. C'est la Endless Possibilities. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Déjà, je l'ai reçue quand même rapidement. Je pense que je l'ai reçue en 1 semaine et demie. Donc je pense que ça vient de Chine. Hein. C'est du make-up asiatique mais qui est cruelty free. Donc maintenant, Focalure, vous trouvez cette marque un petit peu sur AliExpress. Mais maintenant, ils ont leur site officiel, c'est génial. Et franchement, leurs produits, moi j'ai déjà acheté 2-3 trucs donc, il y a longtemps de la marque Focalure et je suis ravie. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'avais acheté il y a longtemps et je vais utiliser un de ces produits. J'avais pris un blush et un rouge à lèvres métallique que j'ai acheté il y a longtemps quoi. Et du coup, aujourd'hui, on va tester cette palette. Le packaging, il est juste sublime, je trouve. Ils étaient arrivés emballés, mais je vous dis pas, avec un truc dans ce style-là. Donc, c'est du plastique bulle de chez Bulle. Donc, la palette, elle risque pas du tout de casser. Franchement, c'était génial l'emballage. Et je vais vous montrer comment elle se présente. Alors, à part l'emballage en plastique, vous avez un emballage à l'intérieur aussi. Oui. Ce qui est rare, franchement ce qui est rare quand on achète une palette, on ne voit pas ce genre d'emballage à l'intérieur. Donc ça protège encore plus, c'est épais et franchement c'est top. Donc et voici, donc vous avez cet emballage noir et voici la palette. Voilà, elle est quand même assez grande, donc voilà, elle fait vraiment la taille de ma main. Elle est quand même assez grande et quand on l'ouvre, vous avez donc le plastique de protection. Et voici, vous avez un énorme miroir. Là, vous avez le plastique sur le miroir. Et franchement, j'ai trop hâte de tremper mes pinceaux dedans avec vous aujourd'hui. Donc, regardez-moi les fards. Franchement, ça donne pas envie, ça. Il y a de tout. Il y a du nude, il y a du rosé, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du marronné, il y a du...
Il y a de tout. Franchement, celle-là, quand je l'ai mis dans mon panier, franchement, quand je l'ai vue, en plus, dans certaines vidéos swatchées et le make-up qu'ils ont fait avec, laisse tomber. Et du coup, on va tester les fards avec la P. Louise, bien sûr, of course. Je suis trop contente. Donc voilà, ici, vous avez les noms des fards. Voilà, vous avez toujours les noms des fards, ce qui est génial. Le packaging ici, donc, il est rose gold. Et cette couleur ici, la Mermaid Tears et la Date Light, là, les bleus, le bleu et le mauve ici, le améthyste. Oh, trop bien. Et le Nebula, oh, c'est un genre de vert avec des paillettes violets et tout ça, argenté. Oh, trop beau. Les rosés ici sont magnifiques. Donc voilà. Regardez-moi ces fards. Il y a 30 fards en tout. Et vous avez un peu de tout, en fait. Il y a un vert très, très foncé. En fait, il n'y a pas de noir. Il y a ce crème-là, couleur crème, ici, pour matifier la paupière et tout ça. Vous avez des jaunes, vous avez des roses. Il y a du mat, il y a du irisé. Il y a même des foils, ici, la couleur Nebula. Le Mermaid Tears qui est un magnifique turquoise comme ça, bleu. Et celui-là, il est trop, trop beau. Je vais swatcher un tout petit peu les couleurs un peu irisées ici. Regardez-moi. Oh, oh my God. Je pense que cela, avec les doigts, ça va être beaucoup mieux que le pinceau. Je vais swatcher ce bleu-là. C'est le Date. Magnifique couleur. C'est un bleu roi qui tire vers le violet, en fait. C'est ça. Trop, trop joli. Ce améthyste, c'est un violet. Ah, j'ai creusé le fard avec mes ongles. Oh là là. Regardez-moi la couleur. C'est trop, trop beau. Je vais les swatcher sur ma main. Et voilà ce que ça donne, le swatch. Magnifique. Mais là, franchement... Et voici le swatch de quelques fards mat. Donc, celui-là, c'est le vert très très foncé, limite noir. C'est le Black Sand. Puis, on a le citrus, le jaune. Allez, focus. Et puis, on a le Plump Baby. C'est une magnifique couleur. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Puis on a la couleur Hoti, c'est un vieux rose comme ça, un bois de rose clair. Et puis on a ce magnifique orangé, le Cherry Top. Et puis on a le turquoise, la couleur turquoise. Et je vous ai swatché une couleur claire pour voir un peu, c'est la couleur latte. Donc franchement, les filles, les swatch, no comment quoi. Hein. Le foncé là, il est hyper pigmenté quoi. Oh, trop trop beau. J'ai pas tout swatché les fards, mais comme ça je vous donne une petite idée des fards colorés déjà. Donc voilà. Et franchement, je l'ai dégueulassé là. Franchement, c'est une très très belle palette. Vous avez de tout pour faire des make-up soirée, de make-up journée. Donc voilà. Voilà. Très très joli. J'ai pu choisir aussi deux rouges à lèvres que je vais vous montrer tout de suite. Donc il y en a un, je pense, qui est mat et un velvet. Donc voilà comment ça se présente, le packaging, très sympa. J'ai pris la couleur Velvet Liquid Lipstick V05 Ball. Donc se présente comme ceci. Voilà. Packaging très sympa, un peu velours en fait, hein, comme le fini, où c'est marqué Focalure Velvet. Voilà. Capuchon argenté, franchement, rien à dire. Et voici le pinceau. Et j'ai choisi un autre, donc, qui est, je pense, c'est le Focalure Luxe. Voilà. Lips, et ça c'est un, en fait, pailleté, je pense. 33 Cloud Pink Blue. Voilà, oh là là, il est pailleté comme ça. Ça ressemble un petit peu, donc, de l'extérieur au Diamond Crushers de Lime Crime.
Donc voilà, le capuchon, il est doré et je vois des reflets roses, des reflets bleus. Oh là, je vous mettrai sûrement un close-up pour voir de tout près la couleur. Oh my god! Oh, il a l'air sublime. En fait, je vais l'utiliser, je pense, comme topper au-dessus du rouge à lèvres. Donc voilà. Et voici les swatches. Donc, vous voyez l'oranger marronné, voilà. Et l'autre pailleté, il est juste sublime. Gardez-moi les reflets, les paillettes. Donc, j'ai mis ma ring light, comme ça, vous voyez combien ça reflète donc la lumière. Truc de fou. Regardez-moi les paillettes. Aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de partir. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'encourage. Donc, let's go. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos donc le site, donc le lien de la palette et tout ça. Il y a un code promo que vous allez trouver en barre d'infos parce qu'il ne me l'a pas encore communiqué. Donc, la marque ne m'a pas encore communiqué le code promo, mais il y en aura un. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Let's go! Alors, si vous vous demandez d'où ça vient, mon serre-tête là, qui est super chou et tout, ça vient de chez AliExpress et je vous réserve un big, 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 big haul AliExpress, donc soyez connectés parce que ça va déménager quoi. Donc j'ai mis des faux ongles de la marque Primark, hein. Voilà, c'est des squarelet toe, c'est la forme carrée comme ça. Je sais pas, j'aime pas trop en fait le carré comme ça, mais voilà, c'était vite fait, j'avais pas le temps, j'ai pas le temps de faire une belle manucure. En plus, mes ongles pour l'instant, c'est une vraie catastrophe. Du coup, j'ai mis cela que j'avais dans mon tiroir. Et puis, j'ai appliqué une petite couche de vernis pailleté. C'est celui-là, donc le Ciaté, un mini Ciaté, qui est super beau. Ça s'appelle Party Choose, la couleur. Il est trop trop beau, voilà. Franchement, il est magnifique. Il donne du reflet et tout et tout et tout. Et bien sûr, on va tester les pinceaux. Va que j'ai acheté à la soirée Gold. J'ai hâte de les tester. Franchement, aujourd'hui, c'est... On est au top, on est au top. Je suis refaite, je suis ravie. Donc, let's go, vite pour le crash test. Je vais prendre la base, la base. Alors, je vais mettre un petit peu sur ma main pour voir la texture. Texture un peu épaisse, mais pas trop, franchement. Épaisse, mais assez liquide quand même. Voilà. Vous voyez? Bon, je mets un tout petit peu, hein. Vous voyez, la teinte 3, c'est une teinte qui... La même couleur que donc ma peau, on va dire, hein. Voilà. Je n'avais pas envie de prendre du blanc et tout ça. Et je vais appliquer ça avec un pinceau BH Cosmetics. Donc, c'est un pinceau plat, assez long, qui a l'air d'être bien. On va le tester. Voilà. Pilouise! Donc, je vais en appliquer partout sur donc les paupières jusqu'au... Je vais aussi, comment dire, dessiner mes sourcils. Franchement, elle sèche pas très vite, donc on a le temps de l'appliquer et de la voilà, de l'appliquer un peu partout. Le pinceau, il est vraiment pas mal pour appliquer la base. Donc, cette base, on est censé ne pas la poudrer. Donc, moi, c'est la première fois, je pense, que je ne vais pas poudrer mon anti-cerne. Mon anti-cerne, n'importe quoi. Ma base à paupières. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais l'estomper au doigt comme ça. Voilà, ça s'estampe hyper bien. C'est vraiment la même couleur que ma peau. Donc, ça vient unifier la paupière et surtout faire accrocher les fards. Et voilà, j'ai appliqué ma base P. Louise. Tout
tous les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint, je mettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Je vais passer maintenant à la palette. Donc, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Franchement, les filles, je ne sais pas du tout quoi faire comme look. Je vais aller au feeling comme ça. Je vais tester les couleurs qui me tentent le plus. Je vais commencer par ce petit fard rosé trop mignon, un bois de rose qui s'appelle Hottie. Donc voilà, celui-là. Bien sûr, je prends le pinceau 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Donc voilà, déjà regardez-moi le pinceau, comment il prend bien la matière. Elle est un tout petit peu poudreuse, mais ça va. Oh my god. Ouh lolo. Je tapote. C'est vrai, je pense. Franchement, je pense que ce qu'ils ont dit est vrai. Ils ont dit que la base, elle change le jeu de vos make-up, en fait. Hein. Elle change la donne, elle change tout. Elle change tout, mais franchement... Oh. Et le fard, il se blinde, mais d'une... Ah, j'en reviens pas. Je vous jure que j'en reviens pas. Oh, truc de malade. Donc, je viens mettre... J'ai oublié même de vous dire ce que je fais là. Je viens mettre donc la couleur Hottie dans le creux de paupière. Oh, mais quel bonheur, les filles. Mais quel bonheur. Oh, vous allez me prendre pour une dingue, mais je ne vous dis pas la différence, quoi. Mais même pour blender, c'est un truc de fou, 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 fou. Mais je vais être une make-up artiste, moi, avec cette base. Je viens étirer un peu la matière vers l'extérieur, donc voilà. Même ça estompe hyper bien, mais le pinceau il est top aussi. Franchement, c'est pas que la base, hein. Le pinceau, c'est un truc de malade. Franchement, je vais me racheter des comme ça en fait. Non, mais je pense que je vais tout jeter, mon pinceau. Ils vont me prendre pour une débile, quoi. Non, mais t'as envie de te faire des looks avec ce pinceau et cette base. Mais un truc de malade. Je vais faire mon petit V hein, directement là. Et comment avant je galérais pour faire le petit V avec les pinceaux. Oh, voilà. Non, mais il va en précision. En fait, il blinde en précision. Oh, un truc de fou. Un truc de malade. Regardez-moi déjà ce que ça fait. Non, mais c'est... Bon, je blinde, hein. Je blinde, j'estompe un peu les bords au-dessus. Voilà. Regardez-moi comment ça estompe la matière. Mais franchement, les fards, j'ai rien à dire non plus. Hein. Donc, ah non, mais là, je reviens pas. J'en reviens pas. Regardez-moi la beauté. Non, mais dites-moi en commentaire, les filles, franchement. Mais c'est une facilité pour faire le bazar. Oh là là. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, je vous le dis, hein. C'est la vérité, ça change tout. Hein. Franchement, Marion Caméléon, merci. Merci, ma belle, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les découvertes que tu nous fais. Je vais être une make-up artiste, là, avec tout ça. Hein. Je vais faire le deuxième œil, je reviens. Et voilà ce que ça donne. Donc, la première couleur, Hottie, en creux de paupière. C'est un truc de malade. Franchement, j'ai rien à dire. Je suis épatée du pinceau et de la base. Maintenant, je vais accentuer encore plus mon creux de paupière. Je vais prendre la couleur Plump Baby qui est juste ici. C'est un, en fait, bois de rose mais foncé. Voilà, que je vais appliquer grossièrement et en même temps estamper les deux ensemble. Je remonte vers le haut. Donc, au-dessus du creux, magnifique couleur. Magnifique. Pour l'instant, les fards, il n'y a rien à dire. Je viens aussi en mettre un tout petit peu ici aussi, au coin interne de l'œil. Voilà. Ça sent le cat crease, les filles. Ah oui, moi, je vous le dis, là, ça va être un make-up, je sais pas, mais... J'ai trop envie là, j'ai trop envie de m'éclater. Truc de fou. I like it. Ouais, j'adore. Les fards, ils font pas patchy du tout. Ils s'estampent
merveilleusement bien, moi j'ai envie de dire quoi. Voilà. Vous savez ce que j'ai envie de faire, les filles? J'ai envie de prendre ce coloris-là, l'orangé là, l'orange cherry pop que je vais mettre sur le bord au-dessus. Attendez, je vais prendre le pinceau donc Zoeva 231 que je vais venir nettoyer avec mon truc ici et je vais venir l'appliquer juste là. Je ne vais pas jusqu'à mon sourcil en fait. Il build en fait la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aller tout doucement travailler, builder et ça va, la couleur ne va pas aller à gauche, à droite, ça va pas. Et oh non, regardez-moi ça. Bon, je sais pas ce que ça va donner les filles, mais on va tout tester. Moi j'ai envie de dire, on va s'éclater aujourd'hui. Et alors, je vais reprendre mon pinceau gros fluffy de Eva 228. Je vais prendre, je vais prendre cette couleur honey. Donc c'est un miel, couleur miel comme ça, moutarde claire. Que je vais venir estomper donc les deux ensemble avec cette couleur. Waouh. Ça adoucit un tout petit peu donc la transition entre les deux fards. Voilà les filles. Ça sent l'été, hein, ça sent l'été. Bon, je vais faire l'autre côté et je reviens. Et voilà ce que ça donne les filles. Voilà, il y a vraiment de toutes les couleurs là. Donc on a le violet bois de rose qui est juste ici. Puis j'ai mis l'orangé et puis j'ai estampé avec la couleur moutarde. Je vais faire un cat crease les filles avec la base Pélouise, évidemment. Donc j'applique ici au bord. Et voilà. Et voilà, j'ai fait juste un cat crease au milieu, plus ou moins on va dire. Je vais prendre la couleur Rust, qui est juste ici. C'est un orangé terracotta, comme ça, que je vais venir appliquer en coin externe. Oh my god, ça s'applique hyper bien. Et au-dessus, je vais appliquer la couleur Choco Fist. C'est un marron très foncé que je vais mettre au-dessus de l'orangé. Je tapote. Et je viens déjà fondre un peu la couleur avec la base. Franchement, je ne sais pas c'est quoi comme make-up que je vais faire, mais... On va voir, hein. On va voir le rendu, comme d'habitude. Next, qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur flash? Je vais prendre le Mermaid Tears. Ok. Je prends le petit pinceau boule, donc Zoeva 230. Je vais reprendre la couleur Choco Fist, donc le marron, et je vais venir appliquer et fondre la couleur avec le bleu. Je vais voir avec le bleu, avec le doigt, qu'est-ce que ça donne. Ah ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en coin interne de l'œil? Franchement, je ne sais pas quoi mettre. Mais j'ai envie de mettre quelque chose d'assez clair, mais en même temps un peu coloré. Je vais appliquer la couleur Treasure. C'est un bronze en fait. Un bronze, ouais, tout simplement. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit pinceau boule, donc le 230 de chez Zoeva. Je vais prendre la couleur turquoise. Voilà, c'est magnifique comme couleur. Trop, trop beau. Et je vais l'appliquer, en fait, voilà, ici, aux quatre crease, en fait. Et je vais venir appliquer aussi le turquoise ici, entre le turquoise, donc irisé et le brun. Je ne sais pas si ça va être très joli, mais j'avais envie. Je fais une petite queue avec...
Voilà. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Et voilà, les deux yeux terminés. Voilà. Franchement, moi j'aime bien. C'est hyper coloré, on est bien d'accord. Hein. C'est pas un make-up de tous les jours. Hein. Mais franchement, ça change. J'avais envie vraiment de tester plein de couleurs de cette palette pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et surtout avec la base P. Louise et les pinceaux Zoeva. Je vous dirai en fin de vidéo ce que j'en pense, mais je pense que vous le savez déjà. Mais voilà. Maintenant, je vais finir le dessous de mes sourcils avec une petite couleur, le Poppy Peach, qui est juste ici. C'est un beige mat, tout simplement. Juste ici. Et en même temps, on estompe un tout petit peu entre les deux. Donc, la couleur orange et le blanc de mon sourcil. Pour adoucir un tout petit peu la couleur. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, j'ai mis des autres lentilles. C'est les lentilles de la marque Obsession Paris que j'ai utilisées aujourd'hui. C'est les premières que j'ai testées dans la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de ces lentilles, je vous mettrai juste ici le petit i. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais venir appliquer un eyeliner pailleté, bien sûr. Je vais appliquer celui-là, Heavy Metal de chez Urban Decay, que je vais appliquer donc sur le creux de paupière ici, donc la limite entre le bleu et le orange-rouge. Et je vais faire aussi là. Bon, j'aurais dû faire mon eyeliner d'abord, hein. Vieille que je suis. Bon, je vais mettre mon eyeliner et j'arrive tout de suite. Donc voilà, eyeliner pailleté appliqué, eyeliner noir appliqué. Maintenant, je vais appliquer les faux cils et je reviens vers vous pour continuer le ras de cils et nettoyer tout en dessous après et tout et tout. Et voilà, mes chéris, j'ai appliqué donc les faux cils et c'est les faux cils de la marque Kiss que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et leur colle à faux cils, franchement, elle est impeccable, impeccable, impeccable. Et j'ai appliqué aussi un crayon noir Sephora Waterproof en muqueuse supérieure. Maintenant, je vais nettoyer ce visage. Je vais appliquer donc mon anti-cerne. Et je reviens vers vous pour terminer les ras de cils. Et bien sûr, la dernière étape, le rouge à lèvres. Et voilà le résultat, les filles. J'ai appliqué donc les faux cils, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai encore redessiné un tout petit peu mon visage, j'ai mis un peu de poudre, baking, machin et tout. Franchement, j'hésite à encore mettre une petite ligne au-dessus de mon eyeliner sur le côté. Et puis je me dis non, franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, au coin interne, j'ai envie bien de m'amuser avec des paillettes. Mais d'abord, on va continuer donc le ras de cils. Je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le coin, donc celui que j'ai utilisé pour le creux de paupière, le Hoti, le premier. Next, je passe à la couleur Plump Baby, que je vais venir surtout l'appliquer plus dans le coin externe du ras de cils. Je vais prendre la couleur Citrus, qui est juste ici, à jaune comme ça, magnifique, regardez-moi la pigmentation, voilà, que je vais venir appliquer ici. Et d'ailleurs, je vais appliquer aussi en coin interne, voilà, ouh là là, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Oh là là, ça donne une touche, mais oh, j'adore. Et je pense qu'après, je vais venir appliquer des paillettes au-dessus. Je suis fan de paillettes pour l'instant. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais... Vous allez voir que j'ai commandé pas mal de trucs. De paillettes, de gloss paillettes et tout le bazar. Donc, voilà. Next, je vais continuer donc de faire mon ras de cils avec la couleur Cherry Pop que je vais venir fondre avec les autres. L'orange, là. Oh mon dieu, je suis maquillée comme jamais, les filles. Je vais venir fondre tout ça avec le pinceau un peu plus gros. Bon, maintenant, je ne vous dis pas le carnage devant moi. C'est une vraie catastrophe. Et je vais prendre la couleur Honey. Voilà.
Je vais tout travailler en dessous avec. Voilà. Bien travailler donc le ras de cils avec ce petit jaune moutarde. Tout estampé. Il est vraiment top ce pinceau, franchement. Et voilà, on a terminé les ras de cils, les filles. Je vais venir prendre les paillettes, le Dazzle Shadow Liquid. C'est un fard à paupières liquide de chez MAC. La teinte, c'est Flash and Dash. C'est un fard, comment dire, pailleté avec plein de couleurs. Et j'en mets un tout petit peu au ras de cils intérieur. Je vais appliquer donc le crayon noir Sephora sans transfert et waterproof dans la muqueuse inférieure. J'applique un tout petit peu de mascara sur les cils inférieurs. Maintenant, je vais appliquer donc le fard à joues que j'ai acheté il y a longtemps de la marque Focalure, qui est juste comme ça. Il est un tout petit peu cassé, mais il est super beau. Vous le voyez très clair à la caméra, mais c'est une sorte de pêche qui est magnifique. Ça fait bonne mine en fait. Trop beau. J'adore ce blush. Et voilà, mes chéris, j'ai appliqué l'highlighter qui est juste une tuerie monumentale. C'est pas un Focalure, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Il est bombe. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Je vais utiliser donc celui-là que j'ai reçu, le Velvet Focalure dans la teinte V05 Ball. Let's go! J'ai pas mis de crayon, rien du tout. Il est très liquide comme ça, vous voyez. Et il est froid sur les lèvres, c'est dingue. Et voilà, le rouge à lèvres a enfin séché. Maintenant, on va passer à celui-là que je vais utiliser comme topper au centre des lèvres. Regardez-moi la couleur. Oh my god. Il est trop beau. Franchement, il est super beau. Donc voilà, c'est la couleur 33 Cloud Pink / Blue. C'est très joli. Très beau, les paillettes qui se trouvent dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? On va commencer par la palette. Je la trouve franchement hyper bien. À part ce fard ici, le Mermaid Tears, appliqué au doigt, il est excellent. Mais ça n'a pas très bien marché avec le pinceau. Mais je pense que quand on humidifie le pinceau, ça ira beaucoup mieux. Mais moi, j'ai eu la flemme encore une fois d'aller chercher un spray fixateur. Mais sinon, comme vous voyez bien, il est topissime. La couleur, elle est super belle. J'ai quand même su l'appliquer avec le pinceau. Puis, j'ai utilisé mes doigts pour avoir plus d'intensité. Les fards mat, franchement, les filles, il n'y a rien à dire. Les fards mat, ils sont un tout petit peu poudreux. Mais quand vous tapotez votre pinceau, il n'y a rien qui tombe sur le visage, rien du tout. Ah oui, et avec ce coloris là, le Mermaid Tears, j'ai eu des chutes sur le visage. Donc il faut utiliser la palette avant de préparer votre teint. Sinon, franchement, même le foncé, parce que parfois, dans certaines palettes, le foncé, même dans des grandes marques, hein, j'insiste, même dans des grandes marques, les foncés marronnés et tout ça ont du mal à s'estamper et tout ça. Et celui-là, franchement, il n'y a rien à dire, surtout avec les petits pinceaux Zoeva, le 230 et le 231. Excellent quoi, franchement. Mais quelle jolie palette. Vous pouvez faire 150 000 make-up avec, hein, un nude ou de soirée ou comme vous voulez. Il y a des super, pour l'été elle est géniale. Donc voilà pour la palette, j'en suis trop contente. Et pour le prix, franchement, n'hésitez pas, si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à foncer sur la marque Focalure. D'ailleurs, ma youtubeuse que je regarde beaucoup, l'anglaise Tammy, qui vient de sortir sa deuxième palette avec Makeup Revolution, elle a fait la collaboration aussi avec Focalure.
Elle a présenté des palettes de malades, donc voilà. Entrée. Donc les rouges à lèvres, franchement, je vous mettrai en annotation ou alors en barre d'infos s'ils ont bien tenu. Mais les couleurs, moi, j'adore. Donc je suis très très contente de ces produits. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Franchement, ça vaut le coup parce qu'ils ont une excellente qualité pour pas cher. Focalure, c'est très connu. Donc tout le monde connaît la marque Focalure. Donc voilà les filles, là. La fameuse Pelouise, franchement les filles, je sais pas, mais si je dois vous recommander un produit make-up à acheter absolument, c'est ça. Bien sûr, pour celles qui se maquillent beaucoup les yeux, pour les make-up addicts, pour celles qui, voilà, pour celles qui a envie que son make-up tienne de feu de Dieu et quand vous allez travailler le fard, c'est hyper facile. Franchement, c'est le top de chez top comme base à paupières. Franchement, j'en ai déjà testé des bases à paupières, des chères, des pas chères, des je ne sais pas, mais celle-là, vous n'avez pas à la poudrer, rien du tout. Et c'est un miracle cette base. Franchement, c'est un miracle. Donc voilà, mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau dans la marque Focalure. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager. Et voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!